Secret Story, une ex-candidate maman est mariée au frère d'une gagnante de l'émission. Cela fait longtemps qu'ils sont en couple mais peu de personnes savent que l'homme de Savine n'est autre que le frère d'une gagnante de Secret Story. Sur Instagram, la candidate de télé-réalité a enfin levé le voile sur son compagnon André. Le 22 juillet 2021, Audrey Mazan, candidate de Secret Story, saison 6, en 2012, et son compagnon André sont devenus les heureux parents d'une petite fille prénommée Lumi. Leur amour a été possible grâce à une autre participante à la célèbre télé-réalité de TF1. En 2012, la grande gagnante de Secret Story n'était autre que Nadège Lacroix. Celle qui est devenue comédienne est restée très proche de sa copine de l'aventure. Mieux, si est-il comme si elle faisait partie de la même famille. Et ce n'est pas seulement une image car Audrey est en réalité en couple avec le frère de Nadège. Une information confirmée sur Instagram le vendredi 14 janvier 2022. Lors d'une session de questions-réponses, la jeune maman a dévoilé comment elle avait rencontré l'homme de sa vie. Si est-il le frère de la gagnante de ma saison de Secret Story? Elle ne cite pas le nom mais en 2012, il s'agissait bien de Nadège Lacroix. On savait qu'André Le Tuilier était proche de la comédienne mais le lien de parenté, de par leurs noms différents, n'est pas évident. À présent tout est clair. On ne sait pas depuis quand le couple est ensemble mais il a eu un enfant et avait même prévu de se marier. Une union qui n'a malheureusement pas été possible au départ. En mai 2021, alors qu'elle était enceinte, Audrey Mazan a dû tout annuler à cause de problèmes de santé, ma dernière photo en robe blanche. Point hélas notre mariage est annulé 3 semaines avant la date que nous avions choisie. Je dois rester couchée ou assise et ne pas prendre la voiture histoire que bébé reste bien au chaud du coup ce n'est que partie remise on fera ça un peu plus tard. En juin de la même année, ils ont fini par se marier dans la plus stricte intimité. Le lien entre Audrey Mazan et Nadège Lacroix est très fort. En 2019, la première n'avait pas caché que son ami lui avait en un sens sauvé la vie, 2019 avait mal commencé. La santé n'était pas au beau fixe, le moral était plus que bas après que j'aie mis fin à une relation toxique avec un pervers narcissique qui m'a détruite pendant plusieurs années. J'ai eu besoin de me retrouver vers ma famille et ma Nadège. Sans eux, je ne pense pas que je serais encore de ce monde.